Le Tour rentre en France. Après trois étapes dépaysantes au Danemark devant un public conquis, le peloton retrouve les routes françaises avec un tracé entre Dunkerque et Calais qui ne manquera pas de pièges. Un profil casse-pattes aujourd'hui qui s'apparente à une petite classique sur les routes des 4 jours de Dunkerque. Les coureurs vont avoir une succession de petites bosses sur les monts du Boulonnais et du vent au bord de mer. Le cap du Blanc-Nez, situé à 10 km de l'arrivée, devrait profiter aux puncheurs pour dynamiter la course et les sprinteurs. Pour Wout van Aert, il s'agit de prendre enfin sa revanche sur le sort. Toujours deuxième sur les étapes depuis le départ de Copenhague, le maillot jaune voudra enfin lever les bras. Attention à la menace Van Der Poel, son meilleur ennemi sur le vélo, qui pourrait venir gâcher la fête.